Mercredi 9 décembre 2020, mercredi de la deuxième semaine de l'Avent, lecture de la messe, lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 40, versets 25 à 31, psaume 102, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, du verset 28 à 30. Écoutons. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est des circonstances dans notre vie où les problèmes d'ordre familial, professionnel, affectif, où des problèmes de santé sont tels que nous finissons presque par désespérer et rechercher la moindre étincelle de lumière qui, comme le dit si bien Isaïe dans la première lecture, rendra des forces à la personne fatiguée et augmentera la vigueur de celui qui est faible. Si nous sommes dans ce cas, ou lorsque nous le serons, car en cette vie personne, hélas, n'est épargné par les problèmes, heureux sommes-nous. Et j'insiste bien, heureux sommes-nous de graver dans notre mémoire cette parole de vie du Christ qui nous dit aujourd'hui et maintenant, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Voilà la bonne nouvelle. Et quelle nouvelle ! Jésus, qui a un cœur compatissant et miséricordieux, n'est pas indifférent à nos problèmes. Il souffre avec nous et pour nous, parce que nous dit le psaume 102, « Le Seigneur est tendresse et pitié ». C'est en effet en considérant toutes nos misères, toutes nos souffrances, qu'il est descendu du ciel pour nous manifester sa solidarité. Et aujourd'hui, il nous dit, et il te dit, courage, confiance, décharge-toi sur moi de tous tes problèmes, et je te procurerai le repos. Quelle bonne nouvelle! Quelle joyeuse nouvelle! Mais pour que cette bonne nouvelle prenne chair en nous, une question inévitable se pose. Allons-nous poser un geste de foi? Sommes-nous disposés, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, à ajouter foi à cette parole de vie qui est une parole divine, mais qui attend notre oui. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous venons remettre en tes mains le fardeau de ce jour. Accorde-nous de trouver près de toi le repos, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.